Bien. Martin Kawen, je ne sais pas si vous êtes encore connecté derrière votre PC. Si, formidable. Je suis toujours là. Super, merci à vous. Vous avez entendu un truc que moi j'avais constaté en préparant le webinaire, c'est que la notion d'autodétermination pourrait être ce qu'on appelle en sociologie un effet d'imposition de problématique finalement. Cette notion, elle va pas de soi. On l'a entendu dans le témoignage d'Anaëlle et j'avais eu un échange avec une autre personne, Nathalie, qui me disait, c'est pareil, que finalement, la notion était peu intuitive. Alors, qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion? C'est pas grave parce que ce sont les actes qui comptent ou il faut qu'on travaille à culturer à l'autodétermination? Est-ce qu'il faut qu'on fasse évoluer la notion vers un truc plus accessible, concret, comme nous le disait Delphine Calouerte? Ou voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, en fait, je pense qu'il faut éviter de tomber là, dans une espèce d'injonction là, qui serait un peu paradoxale. Tu dois t'autodéterminer, donc je t'impose une certaine façon de t'autodéterminer. Je pense que c'est le piège dans lequel on peut tomber. Il ne faut pas non plus s'imaginer que l'autodétermination, c'est la réponse à tout. C'est-à-dire que l'autodétermination, en fait, c'est un besoin, c'est une façon de se représenter la nécessité que tout être humain à exercer du pouvoir et du contrôle sur sa vie. Mais il faut pas non plus, il y a toujours ce piège-là, en fait, d'en faire une espèce de concept parapluie qui viendrait répondre à tout, puis regrouper un peu tout plein de représentations qu'on peut avoir. Je pense que l'idée, c'est toujours de faire en sorte que l'autodétermination, en fait, de le voir comme une route qui nous guide vers une émancipation des personnes autistes, leur permettant d'avoir une vie qui correspond à ce à quoi ils aspirent. J'ai beaucoup aimé aussi la présentation qui a été faite, notamment quand on mettait de l'avant la nécessité d'adapter l'environnement. Je trouve que c'est ce type d'invitation-là. Après, ben, ça nous appartient à tous de prendre le concept ensuite, puis de le transcrire dans notre réalité, dans notre quotidien. Moi, comme chercheur, ça m'influence ce concept-là dans les méthodes de recherche que je privilégie. Pour les acteurs médico-sociaux, ça vient influencer les stratégies d'accompagnement. Je pense qu'il y a un travail de traduction pour ensuite venir l'incarner en fonction des enjeux qui nous sont propres à chacun. Merci beaucoup. Clémence, êtes-vous encore là également? Oui. Super, merci beaucoup. Est-ce que cette question et la réaction de Martin Caouet vous inspirent? Vous voulez réagir à cette question-là? Martin disait, attention à ne pas tomber dans l'injonction à l'autodétermination. Delphine Calouerte avait dit, attention, trop de choix, ça peut mettre en stress aussi. Enfin, voilà quoi. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Bah, oui, je pense que ça dépend vraiment des personnes. On a tous des capacités d'adaptation différentes. Et puis, enfin, on a tous. C'est plus ou moins facile pour enfin, ouais, c'est plus ou moins facile. Chacun va à son rythme. Il y en a peut-être qui n'ont pas forcément non plus envie de prendre des initiatives, etc. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne, de ses envies, de ses besoins. Et puis, il faut que ce soit bénéfique pour la personne. Ça l'est pour moi, mais ça ne le serait peut-être pas pour une autre personne. Donc, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. Alors, je tiens à dire qu'il y avait beaucoup de réactions, des réactions de remerciements destinées à chacun d'entre vous. Voilà, je vous transmettais les miens, mais je peux aussi vous relayer ceux des gens qui nous ont suivis. Un très, très grand merci à tous les deux. J'excuse Delphine Calouerte qui m'a envoyé un petit message en disant c'est l'heure que j'aille chercher mon bébé à la crèche. Donc voilà, elle devait partir pour des questions familiales. Mais voilà, ces remerciements s'adressent à elle aussi. Un truc que j'aime bien faire dans des fins d'entretien, c'est dire est-ce que vous avez un mot de la fin? Clémence, peut-être un mot de la fin?
Eh bien, j'espère que le GEM va se développer de plus en plus et puis qu'on aura de plus en plus d'adhérents. Et puis, j'espère aussi que les gens auront un autre regard sur l'autisme dans les années à venir. On en parle de plus en plus et je pense que ça sera bénéfique pour nous tous si les gens sont mieux informés. Voilà. Super, merci beaucoup, c'est un très beau mot de la fin. Merci. Martin Cavette? Ben, moi, je dirais en fait, pour réagir à ce que Clémence disait à l'instant, choisir de ne pas choisir, c'est aussi un choix. Donc, je pense qu'il faut éviter de tomber dans l'injonction. J'espère qu'on. Ben, je veux vous remercier évidemment de l'invitation. Puis, ce que je veux dire aussi, peut-être comme mot de la fin, je pense que plus on sera capable de parler d'autisme, puis de délaisser la notion de trouble pour parler davantage de diversité, je pense qu'on va être sur la bonne voie, en fait, pour reconnaître aussi le potentiel d'autodétermination de chacun. Super. Merci. Un très grand merci à vous. C'était vraiment du plaisir de vous entendre cet après-midi. Je suis sûr qu'il est partagé par ceux qui nous ont écoutés. D'ailleurs, ceux qui nous ont écoutés devront avoir reçu un petit lien pour un questionnaire de satisfaction sur cette journée. N'hésitez pas à nous le transmettre. Donc, ça nous permet de réfléchir sur nos modalités d'organisation. Et voilà, on espère vous retrouver bientôt. Martin, on n'hésitera pas à vous réinviter parce que voilà, la fraternité France-Québec, c'est quelque chose qui nous est cher. Et puis, ben, on pense à toutes les personnes qui présentent un TSA et à leur famille en cette journée mondiale de l'autisme. Merci à tous. Merci À bientôt. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup.